Coucou les belles libellules et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle qui a été créé par Nat de la chaîne Angèle Tainam. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, de toute façon, je mettrai les informations en barre d'informations. Alors, je ne suis pas certaine que ce jeu soit encore publié. Je sais qu'elle l'a réédité bien deux fois au moins. Donc pour les informations, il faudra peut-être aller voir sur sa chaîne un petit peu ce qu'il en est. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, elle l'a réédité. Moi, c'est la première édition. Donc l'édition limitée Dark Moon, et donc c'est bien The Singular Magic Oracle. J'adore, en fait, il est tout mimi. Voilà, bienvenue dans un autre monde. Rêvez-le, désirez-le, obtenez-le. Voilà. Donc c'est l'édition de 2020. Je ne l'ai jamais présentée encore sur la chaîne, honte à moi, parce que je l'ai déjà utilisée, parce que je l'aime beaucoup. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà aperçu. Donc on va se rapprocher de cette beauté. De toute façon, je vais vous montrer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on reçoit un PDF en fait, hein, voilà, pour les explications. Voilà, donc c'est tout simplement une boîte métallique. Hop. Moi, je vais vous montrer du coup les cartes. Alors, vous voyez, elles sont en petit format. Donc, c'est bien qu'on a des petites mains. Ça se tient dans la main. C'est juste génial. Elles glissent super bien. Voilà, elles ont une tranche argentée. C'est très beau. C'est très beau, je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais voilà, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Malheureusement, ça s'abîme, hein, c'est ça le truc, mais ça reste magnifique. Et voilà le dos des cartes. Voilà, elles sont légèrement glossies. Et nous allons nous plonger, voilà, dans ces cartes. C'est génial, c'est... Alors... Évidemment, c'est un outil qui peut être divinatoire, bien sûr. Hein. Clairement, ben oui. Après, moi, je ne l'utilise pas comme ça parce que je n'utilise plus trop les oracles et les tarots en divination. Voilà, donc plus comme des outils de développement personnel, spirituel, psychologique. Ah, j'adore celle-ci, elle est trop fun, tout va bien. La lueur, on a les saisons, le printemps. Umbra, donc l'ombre. Là, on a la magie sexuelle. L'amour pur. Les augures. Alors, je ne sais plus exactement il y a combien de cartes, mais il y en a quelques-unes. Hein, donc, c'est plutôt sympa. La clairvoyance. Donc, ce ne sont pas des dessins qu'elle a fait elle-même. Hein, je tiens à la rappeler au cas où. Mais c'était des photos libres de droit, et donc elle a remanié tout ça à sa sauce, et moi je trouve que c'est très très beau. Donc ici, manifesto, on est un petit peu dans la manifestation, bien sûr. Le plaisir. Ah, cogito ergo sum, je ne sais plus, mais bon, on se pose clairement des questions. L'illusion, moi je travaille beaucoup avec les dessins, donc les mots-clés, des fois je les mets un peu de côté, même souvent. La chance. La protection. C'est vrai que les dessins sont très beaux en fait. Oui. La joie. L'énergie. L'action. On a le côté homo, donc le côté plus action, on va dire yang. Et on a le côté féminin qui va passer aussi. L'hiver. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis au mieux. J'aime beaucoup. L'amitié avec les colombes, elle est très jolie. Le dessin. La nature, elle est mimi. L'automne. La connexion. Après, s'il y a des mots-clés voilà, qui vous conviennent un peu moins, n'hésitez pas à vous plonger comme moi je le fais dans l'illustration. Et voilà. Vénénum, donc plutôt là, dans la toxicité. Hein. La tentation. Magicae.
la tribu. On peut aussi prendre aussi ça comme une évolution. Vous voyez, il va du plus petit au plus grand et ça grandit dans l'amour. Donc voilà. Mutatis. Donc là, on est dans la mutation, le changement. L'été. On avait le oui, nous avons le non. Les racines. La grâce. Le cri du cœur, l'âme cosmique, les honneurs, la fusion, ma bonne étoile, la célébration, la vérité. Les ancêtres, l'abandon, l'artiste, il y a vraiment vraiment beaucoup de cartes, c'est super sympa. La déchirure, la guérison, anima mundi, c'est l'âme du monde, équilibrium, évidemment, l'équilibre, hein. Memento mori qui nous rappelle que la vie est courte. L'audace. On a donc Femina. Voilà, où on avait ici l'expansion. La tristesse. L'inspiration. Un nouvel amour. Le grand ménage. En tout cas, une bonne purification. La sorcière. Carpe diem. Et l'attente. Voilà. Écoutez, j'espère que cette revue vous a fait plaisir. Je suis désolée d'arriver, je veux dire, un train en retard. Comme, voilà, comme j'aimerais à le dire. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que moi, je prends le temps en fait d'utiliser les jeux que j'achète, que je reçois, qu'on m'offre. Du coup, c'est vrai que je vais pas être la première à les présenter. Et ça, c'est peut-être pas bien du coup, parce que ben voilà, Nat, c'est une personne qui est super sympathique. Elle sait bien que je l'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et que voilà, quand elle fait quelque chose, ben je la soutiens au mieux, du mieux que je peux, bien sûr. Donc j'ai déjà quelques-uns de ces jeux. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Par contre, voilà, pour l'édition. Je ne sais pas si du coup il est out of print, voilà, s'il n'est plus imprimé ou s'il l'est encore. Je sais qu'elle en avait refait une impression il n'y a pas longtemps. Après, si vous me suivez sur ma chaîne, tout simplement, à un moment donné, je pense que je vous ai dit qu'elle était en train de le republier. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez les nouvelles, parce que c'est vrai que bah, des fois je dis quelques nouvelles dans un vlog ou alors dans le Happy Lundi. Ça dépend avec les jeux avec lesquels je travaille, etc. Et donc il y a des infos qui sortent, mais c'est vrai que je ne pense pas toujours à le dire au bon moment peut-être. Mais voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, nuit ou soirée ou matin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.